Bonjour les gens, tout d'abord merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à participer à la série de questions que je vous ai demandé. Vous êtes nombreux vraiment à avoir interagi dans les commentaires. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné 5 questions pour pouvoir y répondre correctement. N'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit thé, ça va durer quelques minutes, prenez des notes si besoin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony, je suis formateur sécurité routière depuis presque 10 ans, je dirige aujourd'hui ma propre entreprise, je suis spécialisé aussi dans le code de la route, je forme en particulier les permis AM, qu'on appelle aussi anciennement les BSR, et je suis aussi jury pour les nouveaux titres pro, c'est-à-dire les nouveaux moniteurs d'auto-école. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est pas du tout pour être narcissique, loin de là, mais plutôt pour vous dire aussi que les conseils que vous pouvez avoir, ben finalement prenez-les de certains professionnels que vous pouvez suivre. Évitez de prendre des conseils sur des gens qui pensent savoir et qui finalement n'y connaissent pas grand-chose. Vous savez, ça c'est un petit peu comme en musculation, vous avez des gens qui vont vous filer des conseils que eux-mêmes n'appliquent pas et en fait qui sont pas si bons que ça parce qu'ils pensent avoir la connaissance nécessaire, mais en fait ils ne l'ont pas. Alors on va pas perdre plus de temps que ça, on va tout de suite passer aux questions. Alors la première question, c'est Awatif Bichri. Alors merci à toi de l'avoir posé. Bonsoir monsieur Anthony, je n'arrive pas à faire les ronds-points facilement et j'ai des difficultés pour rétrograder, merci d'avance. Tout d'abord Awatif, merci pour ta question, c'est vrai que la question sur les giratoires revient régulièrement. Alors la question elle est un petit peu vague parce que finalement on pourrait prendre aussi 30 minutes à vraiment y répondre, mais je vais essayer d'être le plus concis et le plus précis possible. D'abord, si on fait vraiment la différence entre un rond-point et un sens giratoire, c'est qu'un sens giratoire, quand tu vas arriver dessus, tu auras tout simplement la signalisation du céder le passage. Ça veut bien dire que je vais laisser passer les gens qui circulent à l'intérieur de l'anneau. Pour information, ne pas confondre avec un rond-point, le rond-point le plus connu, c'est justement la place de l'Étoile à Paris, où, si pour ceux qui connaissent déjà, il n'y a aucune signalisation, et à ce moment-là, il va falloir peut-être s'arrêter si quelqu'un arrive à droite pour le laisser passer. Donc maintenant que vous avez un petit peu le distinguo des deux, on va parler avant tout de placement. Le placement dans les ronds-points, ça ne changera rien hein, si c'est un sens giratoire, c'est que n'oubliez pas qu'on va le prendre comme une horloge. Tant que vous êtes encore de midi à 6h, le mieux ça va être de rester tout simplement à droite de l'anneau, et si vous avez passé 6h pour aller jusqu'à midi, à ce moment-là il faudra peut-être se placer à gauche. Quand je dis peut-être, c'est que tout simplement la voie de gauche n'est pas obligatoire, c'est aussi pour ça qu'on va vous demander de contrôler avant de changer de voie. Maintenant, là où ça vous pose vraiment de gros problèmes, c'est surtout à l'entrée du sens giratoire. Tout d'abord, partez du principe que la meilleure stratégie, parce que souvent c'est là, hein, on ne sait pas trop, est-ce que je dois rétrograder, plutôt d'abord contrôler, me placer, etc. Ben, le plus simple, c'est tout simplement de rester logique. Imaginez que je conduis mon propre véhicule et d'un coup on me dit « Monsieur, vous allez tourner à gauche ». Ben, le mieux à faire c'est quoi? Déjà, avant de se placer, de vérifier les deux rétros. Donc en fonction de là où je tourne, si je vais à gauche, ça sera rétro intérieur, que personne ne me colle, rétro extérieur, que personne ne me dépasse, si jamais il n'y a personne, clignotant à gauche. D'abord je vérifie, ensuite je confirme ma direction. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement me placer. Ben oui, ça serait pas logique d'aller renverser un motard par exemple et de vérifier par la suite si c'est bon pour changer de voie. C'est pas très cohérent. Une fois que j'ai contrôlé, que j'ai indiqué que je me suis placé, il me reste plus qu'à rétrograder. Le mieux tout simplement pour un point de repère visuel, c'est de prendre ce petit panonceau là que vous rencontrez tous à l'entrée de vos giratoires. Regardez bien. Alors, ce panneau-là que vous rencontrez sur les terre-pleins, le mieux tout simplement, ça sera de se dire qu'il faudra avoir rétrogradé la seconde avant ce petit panneau bleu. Sinon, vous allez arriver encore trop vite sur l'intersection. Une fois que vous avez fait ça, jetez surtout plusieurs coups d'œil avant. Parce que si vous restez 2-3 secondes à fixer à gauche, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre voiture? Vous allez faire un écart de trajectoire important et risquer de finir sur le terre-plein. N'oubliez pas non plus que si la 2 elle est un petit peu compliquée, mettez votre première, d'accord? Passez pas sans être sûr. Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes en première et que vous avez bien analysé la situation, à ce moment-là, si vous décidez d'y aller, accélérez franchement. Parce que 9 fois sur 10, le problème majeur que vous avez à l'entrée du rond-point, c'est tout simplement d'accélérer, mais tout doucement, voire pire encore, de maintenir l'allure. Et à ce moment-là, vous faites ralentir les gens à l'intérieur et on tombera tout simplement dans le refus de priorité. Une fois que vous êtes à l'intérieur de l'anneau, c'est pas très compliqué, mais surtout, soyez mobile au niveau du regard. Il y a plein aussi de personnes qui me disent « Oula, je me trompe dans le rond-point, j'ai fait un demi-tour alors que je devais aller à gauche, je savais plus trop où j'en étais ».
Pas de panique. Jetez des coups d'œil. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous ne regardez que là. Je regarde devant, je regarde au fond, devant, au fond. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir lire les panneaux à l'avance. Évitez les écarts aussi de trajectoire qui parfois sont dangereux. Une fois que je vais sortir, attention, n'oubliez pas, cette fois-ci, contrôle intérieur que personne ne me colle, extérieur que personne ne soit à côté de ma voiture, et surtout je regarde encore devant moi pour la sortie du rond-point, parce que très souvent, on retrouve aussi un passage piéton. Bougez bien vos yeux, une fois que vous avez fait ça, boum, petit coup d'œil à l'angle mort. Petit conseil aussi, un angle mort c'est juste, hop, un mouvement de la tête, c'est pas ça. Si vous décollez votre épaule, à ce moment-là, c'est vrai que vous allez faire un écart important de trajectoire. Une fois que vous avez contrôlé si vraiment il n'y a rien, clignotant à droite. S'il y avait du monde, pas de panique non plus. Soit je ralentis, je laisse passer, ou bien j'accélère parce que j'ai le temps et je sors. Voir le pire des cas, il y a du monde, il y a vraiment trop de monde, c'est dangereux. Boum, un autre tour de rond-point. Il vaut mieux faire ça, au moins j'assure la sécurité à bord. Et quand vous sortez, avant d'accélérer, n'oubliez pas, surveillez bien votre sortie de rond-point parce qu'il y a souvent un ou plusieurs passages piétons. Voilà What If, j'espère avoir répondu à ta question. Question numéro 2. Alors, les 5 questions que j'ai choisies, m'en voulez pas les autres, c'est juste les questions soit qui revenaient le plus souvent, soit qui ont été le plus likées, soit que j'ai semblé en fait les plus pertinentes. Alors, merci Trucmuche pour ta question, je la lis en suivant. Mon moniteur dit que je suis 2 de tension dans ma conduite, trop molle. Je n'ai jamais le temps de réagir face à la situation qui se présente. Du coup, le moniteur rétrograde freine souvent à ma place. Comment être dynamique et arriver à tout faire en même temps? Rétrograder, contrôler et rouler sans dévier de sa trajectoire. Comment apprendre à anticiper pour pouvoir réagir correctement? Merci franchement pour cette question parce que la réponse, elle va aider beaucoup de personnes qui se trouvent justement derrière cette vidéo. Alors, la réponse en fait, tu la donnes finalement dans ta question parce que tu me dis comment avoir le temps de tout faire en même temps. Et c'est là où est l'erreur. Anticiper, ça veut dire quoi? J'anticipe par exemple mon voyage dans 2 semaines. J'anticipe par exemple que demain matin j'aurai besoin de mon téléphone, donc ce soir qu'est-ce que je fais? Je le mets en charge. Anticiper, finalement, vous le faites tous. Vous pouvez choisir vos habits ce soir pour demain matin, quand vous allez vous réveiller un peu la tête dans le sac, ben, vous n'allez pas avoir du temps à perdre et chercher et vous encombrer l'esprit avec ça. En conduite, et je viens d'ailleurs un petit peu de vous l'expliquer avant le sens giratoire, n'attendez pas pour tout faire. Souvent, quand le moniteur vous dit d'aller à droite, vous attendez de voir pour commencer à faire les choses, c'est déjà trop tard. On n'a pas le temps en conduite et encore moins quand on n'a pas d'expérience. Ce qu'il faut, c'est garder un ordre logique. Un franchissement d'intersection, c'est quoi? Je vais contrôler mes rétros, je vais indiquer, je vais me placer, je vais ralentir. Là, vous allez avoir la meilleure stratégie pour anticiper. En fait, anticiper, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le milieu de l'auto-école, la tâche de conduite. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou alors peut-être aussi qu'on vous en a parlé, mais sans passer par ce vocabulaire un petit peu particulier. Tâche de conduite, c'est quoi? 4 points à avoir. D'abord, il va falloir voir, analyser, décider et agir. Tout ça, normalement, ça commence à vous parler. Je prends 2 exemples. Je suis en train de rouler. Devant moi, un piéton, un passage piéton au loin. Déjà, il faut voir. Si je ne vois pas le piéton, forcément derrière, je ne peux pas faire le reste. Ça va être compliqué. J'ai 9 chances sur 10 pour me dire « Ah mince, finalement, j'aurais dû. » Cette phrase-là, c'est déjà trop tard. Pire encore, le moniteur ou l'inspecteur a freiné à ma place. C'est un refus de priorité. Donc déjà, je dois voir. La signalisation, les panneaux, les piétons, tout ce qui a du mouvement. Ensuite, je vais devoir analyser. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pareil. Ben, pas du tout. Analyser, ça veut tout simplement dire comprendre. Comprendre ce qui peut arriver. Est-ce que le piéton et le passage piéton, ça ne va pas ensemble, finalement? Donc, je peux me dire, tiens, pareil, dans quelques secondes, il va passer. Une fois que j'ai analysé, je vais devoir décider. Accélérer, maintenir l'allure, peut-être ralentir, surveiller derrière moi, etc. Bref, je vais devoir faire un choix. Et ensuite, agir, c'est tout simplement accélérer ou freiner, c'est-à-dire faire place à l'action. En fait, voir et analyser, ce sont vos yeux. C'est pour ça que, bizarrement, les moniteurs d'auto-école, ils vous disent « Bouge tes yeux, sois mobile, cherche, pose-toi des questions. » Parce que souvent, quand on apprend à conduire, on est là. Et là, par contre, ici, il peut se passer des milliers de choses, je ne vais pas les voir. Donc déjà, j'ai intérêt pour moi à avoir un regard mobile. Le reste va se débloquer tout seul. Si j'ai pas vu le piéton, j'ai pas compris qu'il allait traverser, j'ai encore moins pris la bonne décision et j'ai pas pu agir. C'est tout à fait normal, bref, je n'ai pas anticipé. Un autre exemple. Je suis en train de rouler, sur ma gauche, il y a des rangements en épis, bref, des voitures garées.
je vois déjà des véhicules garés. J'analyse par exemple qu'une voiture a ses feux de recul. Ben déjà, cette voiture-là va être bien plus dangereuse que la plupart des voitures qui sont garées, parce que peut-être que dedans, il n'y a personne. J'ai vu, j'ai analysé. Ensuite, je vais décider, pourquoi pas, ralentir. Et une fois que j'ai ralenti, je vais par exemple agir, après ma décision, en m'arrêtant par courtoisie en le laissant passer, ou au contraire, en maintenant l'allure, main au-dessus du klaxon et en me disant « si jamais tu recules et que tu m'as pas vu, boum, je klaxonne ». Là, j'anticipe. J'anticipe parce que je décortique les choses. Je t'invite vraiment à retravailler ce point-là, qui est un peu la bête noire dans l'auto-école, parce que ça demande aussi, pour bien anticiper, d'avoir quand même une très bonne maîtrise de la voiture, et c'est souvent là où c'est difficile aussi, parce qu'on n'a pas vraiment l'expérience. Merci pour ta question. Et dis-moi là aussi si j'y ai répondu correctement. On y va pour la troisième question. Donc Anaïs Bersens, merci Anaïs, qui est vraiment une élève à moi, du coup, qui est en conduite accompagnée, et justement qui me dit, selon toi, comment peut-on bien réussir une conduite accompagnée? Donc Anaïs, merci pour ta question, j'y réponds tout de suite. En fait, quand vous partez en conduite accompagnée, alors ça sera valable aussi quand vous partirez en conduite supervisée peut-être, il va falloir vous adapter, et ça c'est pas forcément facile, parce que ça va vous demander aussi à sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à y aller en fait progressivement, c'est-à-dire que un petit peu comme nous, moniteurs d'auto-école, quand on vous prend, on a minimum 20 heures de conduite avec vous, et vous avez vu, bah, bien souvent, au début, c'est assez facile, et en fait, bizarrement, au fur et à mesure, ça se complique, les endroits où vous roulez, c'est exactement la même chose. Bah, en conduite accompagnée, vous allez conduire aussi, déjà, avec une personne minimum, qui ne sait pas du tout comment vous roulez, à part la dernière heure de conduite, parce que normalement, ils sont montés avec vous en voiture et votre moniteur, et ils ont vu un petit peu comment ça se passait. Mais bizarrement, ils n'ont pas les pédales. Donc ça veut dire que vous allez avoir quelque part la pression et il va falloir y aller progressivement. Montrer qu'ils peuvent avoir confiance en vous et à eux aussi, ben, quelque part, de jouer le jeu et de vous faire confiance. Parce que vous savez, ça peut très vite dégénérer et aussi on pourrait se dire, ben, tiens, tu conduis pas si bien que ça, finalement, garde-toi, c'est moi qui vais conduire. Mais ça, finalement, c'est dommage parce que c'est fuir encore une fois la difficulté et c'est rester encore dans sa zone de confort. Pour bien faire une conduite accompagnée, il faut y aller progressivement. Habituez-vous à votre nouveau véhicule ou à vos nouveaux véhicules, c'est-à-dire n'hésitez pas, avant de vous jeter dans la circulation, à prendre votre voiture avec votre accompagnateur ou vos accompagnateurs et à aller travailler un petit peu ben, les démarrages, les arrêts, peut-être aussi monter les 4-5 vitesses comme vous aviez fait au début à l'auto-école et apprendre aussi à rétrograder. Le véhicule ne sera pas le même, il n'aura pas la même sensibilité. La personne à côté, ben, elle accompagne, mais c'est loin d'être un moniteur d'auto-école aussi, donc elle fera du mieux qu'elle peut. Et surtout aussi, évitez au début de vous jeter en ville. C'est-à-dire que ça peut être vite traumatisant de se lancer dans des endroits particulièrement compliqués. Au contraire, qu'est-ce qui fait qu'on est moins stressé? C'est déjà que conduire, ça devient une habitude, mais surtout aussi y aller progressivement. Ça, je vous conseille le premier mois, par exemple, de vraiment continuer à vous faire la main sur ce véhicule-là. Ensuite, maintenant que vous commencez à vraiment maîtriser votre véhicule, bah, conduisez surtout de plus en plus longtemps, mais surtout aussi progressivement. C'est-à-dire qu'au début, il fallait y aller doucement, des courts trajets, puisqu'on se fatigue vite. Maintenant, au bout d'un mois, on commence vraiment à avoir le véhicule en main. Donc, on augmente un petit peu la durée des trajets. Et aussi, on n'oublie pas de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que là, comme en compétence 2, essayez peut-être de commencer à vraiment aller dans la ville pour pratiquer les diverses intersections et attention aussi à rester vraiment focus dans votre conduite, continuez à utiliser s'il faut la conduite commentée, mais surtout soyez vraiment dans la recherche. Et ensuite, si vous avez l'occasion aussi de manœuvrer, surtout ne perdez pas à l'idée que manœuvrer ça reste important dans la conduite. Déjà, on vous imposera une manœuvre le jour du permis, mais il n'y a pas que le permis dans la vie, c'est important aussi d'être à l'aise avec votre véhicule ou vos véhicules. En fait, plus vous allez manœuvrer, plus vous allez prendre de rues étroites et plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus bizarrement vous allez être à l'aise parce que vous allez rencontrer tellement de situations différentes qu'à un moment donné vous allez vous dire mais tiens, je peux passer n'importe où sans avoir à me dire oh, il faut pas que je passe là-bas parce qu'il y a une côte, elle est vraiment raide, ou alors là-bas, si jamais je rencontre quelqu'un, ça va pas le faire. Non, fuyez pas les problèmes, affrontez-les petit à petit. En fait, allez-y progressivement et surtout, on va dire 2 mois avant votre dernier rendez-vous pédagogique, vraiment là, il faut essayer d'avoir un niveau
correct. Dernier petit conseil par rapport à ça, si jamais par exemple ben, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec votre accompagnateur, n'hésitez pas non plus, une conduite accompagnée, à sonner à la porte de votre auto-école, parce que finalement ils restent présents, même si physiquement ils ne vous font plus conduire, vous pouvez pourquoi pas reprendre une heure de conduite pour vous perfectionner un petit peu, ou justement résoudre les désaccords que vous pouvez avoir. Dans le pire des cas, passez un coup de téléphone, je sais que les ronds-points ça intervient souvent. Voilà Naïs, j'espère avoir répondu à ta question. Question numéro 4. GGBZK, merci pour ta question. Salut Anthony, j'adore tes vidéos, heureusement que tu es là. Ma question c'est comment on sait quand on est prêt pour passer l'examen de conduite ? Merci. Très très bonne question. Donc cette question d'ailleurs elle est revenue plusieurs fois. Alors, comment on peut savoir en fait qu'on est prêt à passer le permis de conduire ? Ben finalement c'est assez bête. Mais au début dans l'auto-école, quand je dis bête, c'est pas méchant, hein, c'est que c'est assez évident quand on a l'habitude. Alors cette question, elle est hyper intéressante, parce que finalement, comment on fait pour se sentir prêt pour le permis de conduire ? Il y a plusieurs possibilités. Déjà, on maîtrise vraiment la compétence 1, c'est-à-dire la maîtrise de la voiture. Le moniteur, il n'est plus en train de me dire « freine un petit peu, trouve ton point de patinage, là tu devrais essayer d'aller chercher la 5 parce que la visibilité elle est bonne ». Bref, la maîtrise de la voiture, elle est franchement présente et surtout je maîtrise correctement cette compétence-là. En deux, les intersections. Alors le but c'est pas de faire zéro erreur, attention à ça, au contraire, des erreurs, on en fait tous même après le permis de conduire. Là il s'agit plus d'en faire le moins possible. Donc en deux, on va surtout retrouver aussi la maîtrise des intersections. Aujourd'hui je dois être capable tout seul de détecter les intersections, est-ce que je suis prioritaire, est-ce que je ne le suis pas? Est-ce qu'une priorité à droite aussi, je la vois à l'avance? Et surtout derrière, est-ce que je suis capable également d'adapter ma vitesse par rapport à ça? Donc en deux, j'ai maîtrisé mon véhicule et aussi les intersections. Je suis précis dans mes placements, mon allure elle est adaptée en général. Bref, tout va bien dans cette compétence-là. En trois, ça va être un petit peu tout ce qui est manœuvre. Alors même si c'est pas parfait, ben, je me débrouille quand même à bien maîtriser mes créneaux, tout ce qui est rangement en bataille, épis, etc. Je suis capable aussi à ce moment-là de faire preuve correctement d'anticipation. C'est-à-dire que j'ai de la stratégie par rapport à mes intersections et surtout j'arrive à ne plus me faire surprendre. Donc je sais que je fais des erreurs et j'ai aussi compris que les autres, ben, des fois ils vont pas toujours être très sympas sur la route, mais surtout ils vont faire des erreurs aussi. Donc par rapport à ça, là je commence à vraiment bien anticiper et ne plus me faire avoir. Quatrième compétence, c'est plus tout ce qui est en rapport avec l'éco-conduite, mais surtout, mon moniteur d'auto-école, il n'est plus en train de me rassurer, mais plus en train de me dire, ben voilà, on va suivre la route, par exemple, de Montpellier, ou alors, on va aller un petit peu sur l'autoroute, on va faire des choses un tout petit peu plus compliquées, mais surtout, j'arrive à être vraiment autonome. Et puis, l'exercice qui, pour moi, je le dis parfois, reste le meilleur, c'est aussi le permis blanc. Donc, est-ce que mon moniteur d'auto-école m'en a proposé un? Est-ce que je l'ai réussi? Est-ce que je l'ai loupé? Est-ce que j'en ai fait plusieurs? Et c'est ça vraiment qui va déterminer si oui ou non je suis capable en fait d'y arriver. Parce que je peux être prêt bizarrement et on ne me propose pas de date d'examen, mais je vois pas pourquoi ça arriverait. Et bizarrement je peux me sentir prêt alors qu'en fait ben, je ne le suis pas encore. Vous savez, c'est très confortable d'avoir quelqu'un qui vous dit « Tiens, mets les deux mains sur le volant, là tu devrais arriver un peu moins vite, au fait, pense à surveiller un petit peu derrière. » Mais le but du jeu, c'est vraiment de savoir à chaque fois qu'est-ce que je dois retravailler pour ne plus justement faire des erreurs à mes prochaines heures de conduite. Et là, je gagne justement en autonomie et en anticipation, et surtout mon niveau s'améliore considérablement. Bizarrement, moins un moniteur d'auto-école va vous parler de conduite, mieux ça sera pour vous. Et on enchaîne avec la dernière question, c'est Délice Pays qui me dit « Bonjour Anthony, comment vas-tu » Donc pour ma part, ça va plutôt bien, parce que dans un mois à peu près, de toute façon, je serai en vacances. Ma question est la suivante. « J'ai eu mon permis depuis 5 mois, mais pas de voiture, donc pas conduit. Que me conseilles-tu lorsque je reconduirai après tant de suspens ?» Merci à toi, bisous. Alors merci pour ta question Délice, c'est vrai que parfois on peut avoir aussi le permis et malheureusement on n'a pas encore le véhicule parce qu'on n'a pas encore les moyens ou alors qu'on ne s'est pas encore franchement posé la question. Moi ce que je te conseille malgré le fait d'avoir le permis, c'est déjà si vraiment t'appréhendes ou que t'es pas du tout à l'aise malgré le fait que t'aies le permis, reprends une heure ou deux de conduite dans une auto-école, ça va te permettre de regagner confiance en toi et surtout de te montrer aussi que tu es capable. En plus, normalement les moniteurs d'auto-école ne vont plus te prendre comme une élève mais vraiment comme une conductrice. Donc là ça peut être à toi aussi de faire la carte du menu en leur demandant mais tiens, est-ce que c'est possible de faire ça, ça, ça pour que vraiment je me sente un peu plus à l'aise. Point numéro 2, ça peut être aussi que quand tu vas avoir ton véhicule, ben, conduis mais pas toute seule. Il vaut mieux avoir quelqu'un à côté
qui bizarrement a le permis, ça va te rassurer. Donc là aussi, hein, commence par des endroits, on va dire, simples, de manière à augmenter un petit peu la difficulté au fur et à mesure, mais là aussi, habitue-toi au véhicule. En 3, ça peut être aussi de continuer à regarder des vidéos sur le permis de conduire. Bizarrement, ça va te rassurer et ça va aussi te permettre de maintenir un certain niveau qui n'est peut-être pas en pratique mais en théorie et de continuer à avoir les connaissances qui, au fur et à mesure, peuvent s'oublier. En 4, ça peut être aussi le fait de lire un peu encore le code de la route parce qu'il y a des choses qu'on oublie au fur et à mesure et des choses aussi qui vont te permettre de revenir à ta mémoire parce que le cerveau, c'est quelque chose de formidable mais c'est quelque chose aussi qui balaye parfois les informations à une vitesse impressionnante. Et en 5, on va retrouver la fameuse conduite commentée. Quand tu vas avoir ton propre véhicule, si tu n'as pas la possibilité d'avoir quelqu'un pour t'accompagner, de continuer à conduire au début, mais surtout en commentant tout ce que tu vois et pas forcément ce que tu dois faire, mais plutôt d'être concentré sur ce qui va arriver justement dans quelques secondes, de manière à réduire ton stress et évidemment pratique régulièrement pour être à l'aise. Je vous le dis encore une fois, ne pas conduire, c'est une source de stress parce que ce n'est pas une habitude. Voilà, je voulais vraiment vous remercier à tous d'avoir participé. Donc j'ai sélectionné que 5 questions. Je répondrai quand même aux autres dans une prochaine vidéo. Continuez encore à mettre des questions dans la barre communauté ou alors sous cette vidéo. Et je ferai plusieurs vidéos comme ça si vraiment ça vous a plu. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, un like, ça fait franchement plaisir. Partagez la vidéo si vous pensez que c'est utile. Et si vous voulez vraiment ne rien louper de cette chaîne YouTube, activez aussi la petite clochette à côté du mot abonné. Et là, vous êtes sûr de jamais rien oublier. Vous allez être contacté par mail à chaque fois qu'une vidéo sortira. Voilà les gens, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait franchement plaisir de la tourner avec vous. A plus les gens !